Bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous sommes aujourd'hui le 9 août 2022, date qui marque la fin de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales édition 2022. Voilà, cette journée sera très mouvementée. Les semeurs sont en train d'honorer leur engagement vis-à-vis du Seigneur afin de lui offrir un festival de louanges, comme vous pouvez le constater, ils sont déjà à leur poste. Voilà, tout à l'heure, le pasteur Boniface Meynier prendra la parole pour introduire les témoignages. Ce sera certainement des témoignages sélectifs, car nous sommes déjà à la fin de la croisade. Il y aura également le ministère de la parole. Il y aura la prière de délivrance et de guérison, la prière de bénédiction. Le pasteur Boniface Meynier prendra la parole pour son mot de fin et certainement il annoncera les couleurs de l'année 2023, l'édition qui doit se préparer maintenant pour le succès de la 15e édition. Gloire à Dieu! Amen! Il y a de cela deux semaines exactement, on avait fait la veillée des semeurs. Et après ça, nous sommes allés nous coucher. Et j'ai eu un rêve qu'elle, nous essayons de procéder vers un territoire donné. Et il y avait une grosse poupée. Je ne sais pas j'ai dit à maman que je ne sais pas de quel peuple il s'agit exactement, s'il y a des peuples qui adorent des poupées, mais une grosse poupée sur le chemin. Et je savais que cette poupée était maléfique. Elle tournait, ça nous empêchait d'avancer. Et ses yeux étaient comme un peu pleins de sang. Et après, j'ai commencé à chanter le nom élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Et je chantais ce chant quand plusieurs semeurs me rejoignaient. Et quand nous sommes devenus nombreux, la poupée a disparu. Après, un gorille géant s'est placé devant moi. J'ai regardé derrière, j'ai continué le chant. Nous avons continué le chant. Et plus le nombre de semeurs s'agrandissait, je ne sais pas si dans la réalité, nous sommes ce nombre-là. Mais plus ça grandissait, le gorille s'écrasait. Nous avons continué le nom élevé au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Et on avançait. Et Dieu me permettait de voir plusieurs images. C'est comme si je voyais différents pays, des adorations de différents dieux qui quittaient comme des clichés. Je me retrouvais dans plusieurs endroits. Et c'est comme ça que nous avons pu entrer quelque part. Le peuple ressemblait un peu à un peuple de l'Asie. Alléluia. Le Seigneur me disait qu'il a renversé certaines principautés qui empêchaient l'évangile de pénétrer des hommes. Il les avait terrassés. Alléluia. Et ce jour-là, je me suis réveillée avec une compréhension différente du nom de Jésus, une révélation différente du nom de Jésus. C'est vrai que je connaissais sa puissance, mais j'ai vu le nom de Jésus d'une autre façon. J'ai adoré Dieu d'une autre manière. Je me suis réveillée en adorant le Seigneur. Alléluia. Et ce soir, tu vas confesser avec nous qu'il est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Et que devant le nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchis, 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 en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Occident, partout, partout. Jésus,
vivant. Dieux sont morts. Ils ont été enterrés, des dieux humains, sous la forme d'hommes. Alléluia. Branham est mort, il a été enterré. Des prophètes sont morts, ils ont été enterrés. Alléluia. Amen. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité. Branham est mort, il a été enterré à jamais. Bouddha est mort, il fut enterré à jamais. Mahomet est mort, il fut enterré à jamais. Marie est morte, elle fut enterrée à jamais. Les rois de la terre sont morts, des rois puissants, des rois grands, mais ils furent enterrés à jamais. Mais Fils du Dieu vivant, il a fait un jour dans la tombe, deux jours dans la tombe, trois jours dans la tombe, il a ressuscité. Tribu de Juda, il est le roi des rois, il est assis sur le trône, il est celui-là qui sauve, qui guérit, qui pardonne, qui libère, qui fait affronter la stérilité, il est le Dieu de la possibilité. Les pleurs. Il est le mari de la veuve, le père des orphelins. Il écoute les prières. Il est le Dieu de l'espoir. Il est le roi des rois. Il soit acclamé. Il est le roi. Le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. C'est le
nous allons nous tourner du côté de l'équipe de délivrance. We are going to turn to the team, the deliverance team, pour qu'ils nous donnent quatre témoignages de ce que leurs yeux ont vu. Très brièvement, parce que la soirée est très très dense. They are going to give us four testimonies of what their eyes have witnessed, and very briefly, because the program is very dense. Il faut qu'on voit comment Jésus triomphe. We must see comment il délivre, comment il sauve. How Jesus triumphs, how he delivers and saves. Et que toutes les pensées, and that all the thoughts, soient remplies d'actions de grâce pour lui. Be filled with thanksgiving for him. Dis amen. Say amen. En écoutant, while listening, contemple Jésus. Behold Jesus. Montre-lui que tu aimes la manifestation de sa gloire. Show him that you love the manifestation of his glory. Et après cela, and after that, avant que les, on va écouter les témoignages et puis on va se réjouir devant le Seigneur. Quand les témoignages vont finir, we listen to the testimony and just after that rejoice before the il Lord. Il y aura un festival ici. When the testimonies will be over, we'll have a festival here. Avant de rendre les quatre témoignages, je vais faire le bilan partiel. Depuis le début, le 1er juillet. Depuis le 1er juillet, le Seigneur nous a permis de nous retrouver à Tiekwa. Et jusqu'au 8 août, hier, au niveau de l'équipe de délivrance, nombre de personnes délivrées des démons, 2485 personnes. Jésus-Christ. Jesus. Nombre de démons chassés, 6992 démons. Jésus-Christ. Nombre de guérisons observées, 636 personnes guéries authentiquement. Jésus-Christ. Jesus. Nombre de baptêmes à notre niveau, au niveau de l'équipe de délivrance, depuis le début jusqu'au 8, nous conduisons les personnes à la repentance, nous partons les baptiser. Donc jusqu'à la date d'hier, nous avons enregistré 599 baptêmes. Jésus-Christ. Et nous profitons aussi pour briser les liens malsains de nos parents qui viennent. Attends d'abord une précision. A precision. La précision s'est imposée sur mon esprit hier. The precision came into my mind yesterday. Il y a des gens qui ont témoigné qu'ils ont été guéris. There are people who testified that they were healed. Ce sont ceux-là qu'on signale ici. It is those healings that are mentioned here. Sinon, c'est plusieurs guérisons, parce que quand on rend témoignage, on limite même les gens. If not, there are many healings, and while testifying, we just limit the number of those who testify. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you following donc, me carefully? On doit dire, nous avons enregistré X témoignages. We must say that we have recorded X testimonies. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, mais ce qu'on a pu enregistrer, c'est ça qu'on signale. It means that there are many, but that which we have been able to record is the one that we mention here. Certains ont été guéris, mais ils n'ont pas eu le privilège de parler. Some were healed, but they did not have the privilege to speak. Ça, c'est très important. This is very important. Et and il y a une foule de démons qui sont partis sans se manifester. There is a crowd of demons which went without manifesting themselves. Pour rendre compte honnêtement de l'œuvre de Jésus entre nos mains. To give an account honestly of the work of Jesus within our il hands. Il faut souvent dire il y a eu beaucoup de délivrances, beaucoup de démons chassés. Ceux qui se sont déclarés sont peut-être 2000. C'est combien? Les démons chassés, 6992. Voilà. So you should often say that, when you are testifying, you should say that we have casted out a lot of demons, but that which we have been able to notice or have been mentioned is such a number. C'est pour cette raison que j'aime souvent interroger ceux qui ont les visions. That's why I used to question those who have visions. Parce qu'ils voient des foules de démons qui s'enfuient, mais on ne peut pas les compter. Because they can see
oodles, a great number of demons fleeing. We cannot number them. Là où tu es, là, tu as été délivré des démons. Tu ne sais même pas que tu as été délivré. Where you are, you've been delivered from demons. You don't even know that you've been delivered. Mais tu auras des résultats. But you will have results. Le fruit va montrer que cet homme a été délivré. Cette femme a été délivrée. The fruit will show that this man or this woman has been delivered. Essaye d'ouvrir ta bouche pour rendre témoignage. Try to open your mouth to testify. Tu verras une autre puissance qui t'accompagne. You will see another power following you. Sans beaucoup de paroles, les gens vont te suivre. Without a lot of word, people will follow you. Ça c'est même pour vous encourager. This is to encourage you. Parce que les démons qui sont partis, mes amis, si l'équipe de délivrance pouvait voir ça et même aller prendre un jeûne d'action de grâce. Because the demons that went, that left, if the, even the members of the team of the deliverance team can could see. Jusqu'à ce jour, on continue à chasser la mort et l'esprit de mort jusqu'à ce jour. Up to this day, we keep casting out death and the spirit of death. Est-ce que le frère Fiacre là? Is brother Fiacre around? Si peut venir avec sa les filles, qu'il vienne. If he can come with their daughter, let Donc, him come. Modifie ton rapport. So modify your report, your account. Il y a eu beaucoup de démons chassés. There have been a lot of demons. Mais les gens qui sont venus rendre témoignage. That were cast out. But those who came to testify. Sont à X nombre. Ça c'est correct. À X number. This is correct. C'est comme ça que l'apôtre Jean a rendu témoignage. That's how Apostle John testified. Il dit Jésus a fait tellement de choses que si on les écrivait. Le monde entier n'allait pas avoir de place pour garder les livres. He said that Jesus did Là, some... il a rendu compte vraiment de l'œuvre de Jésus. Jesus did so many things that if we were to give account of all, even the entire world could not contain the books in it. N'aie pas peur de glorifier Jésus. Les sorciers ne peuvent rien te faire. Do not fear to glorify Jesus, the witch. Et même les hommes jaloux. The sorcerers cannot do anything to even the jealous men. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Dis, nous proclamons. Say we proclaim que le Seigneur Jésus a tellement agi. That the Lord Jesus so much acted. Que nous avons des difficultés pour rendre compte de combien de personnes il a délivrées. That we have difficulties to give account of the number of people he delivered. Mais les gens qui se sont levés pour annoncer leur guérison se lèvent à. But the people who rose, who got up. Combien de milliers? Announce the healing 636. Are 636 personnes. 636 people. Et il y avait tous les même le sida est dedans. Vous avez écouté avec test, c'est-à-dire quelqu'un est parti vérifier. Even there is AIDS in it with an analysis. Les fibromes sont tombés. Fibroids fell. Les boules ont disparu. Lumps disappeared. La fièvre, les maux de dents, les mal de pieds, toutes sortes de maladies. Pains in the legs, all kind of sickness. Acclamation à Jésus. Clap offering to Jesus. Et le pasteur a fait, parfaitement raison, parce que ça c'est à notre niveau seulement. Il y a l'équipe de témoignages et ils ont leur témoignage, et ils ont leur nombre. Et comme il vient de le dire, c'est ce que nos yeux ont vu que les frères ont pu toucher, enregistrer. Même au niveau des brisements des liens, on n'a pas pu comptabiliser le nombre de démons chassés, on a seulement donné le nombre de personnes qui ont été délivrées des liens malsains. Si on pouvait comptabiliser, frère, c'est is guérison, is délivrance, et en a point fini. Donc Jésus a agi puissamment au milieu de nous. Donc au niveau des liens malsains, nous avons eu à briser 464 personnes dont les liens ont été brisés. Les responsables du ministère aux enfants pourront donner leur statistique les jours à venir. Je reviens maintenant sur les témoignages. Je suis le frère Ernest Traillet, disciple du pasteur Meunier, ministre assistant du pasteur Meunier dans le domaine de la délivrance. Je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Une sœur. C'est notre missionnaire numéro 2 de Kpapebo. Et je pense qu'elle et son époux sont actuellement là.
Quand l'Esprit s'est manifesté, nous avons demandé son nom, il a dit qu'il était Lucifer. Et oui. Et il a dit qu'il doit empêcher, et il a décidé d'empêcher notre missionnaire numéro 2 de Kwakwebo d'accomplir les desseins de Dieu dans cette localité. Et partout où elle passe, il doit la suivre. Et c'est la raison pour laquelle il se trouve aussi à Tiekwa avec elle. Je tournais quand je suis tombé sur la scène et j'ai entendu ces paroles. Quand j'ai dit au frère, laissez. Jésus chassait les démons par la parole, mais Satan même, il l'a chassé par la parole. Alors, quand nous avons commandé, l'esprit dit, le démon, Lucifer dit qu'il ne va pas. J'ai dit au frère, laissez. Et nous avons dit, il est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Quand nous avons prononcé cette parole, il a dit, non, vous connaissez la parole, je m'en vais, je la libère. Et il est parti. Jésus. Jesus. Le deuxième témoignage, il s'agit d'une sœur dont les parents avaient adoré le python. Et l'esprit en question, le démon, était adoré dans la forêt. Donc, pendant les prières de combat, quand l'esprit s'est manifesté, elle s'est retrouvée dans cette forêt. Et pendant qu'on priait ici, elle était dans la forêt. Elle se voyait en esprit là-bas et avec ses parents, comme si l'adoration a lieu ce jour-là. Et quand nous avons commandé, pendant qu'on commandait, qu'on chassait l'esprit, elle parlait avec nous aussi. Je vois la forêt. Je suis dans une forêt. Nous avons brûlé la forêt. La forêt, effectivement, a pris feu. Et quand la forêt a pris feu, le python a fui. Quand le python a fui, pendant qu'elle disait que le python a fui, le python est tombé dans l'eau. Elle était dans le vent du python. Elle dit, elle ne sait pas par quel miracle une paix a transpercé le vent du python. Elle s'est vue sortir du vent du python et Jésus a tendu la main pour la faire sortir de l'eau, pour la mettre au large. Acclamation à Jésus. Est-ce qu'elle est là? Ici, Aaron. Si tu es là, tu entends le témoignage. S'il te plaît, viens. Continue. Continue. Une autre sœur. Tout se passe pendant les prières de combat. Quand elle est tombée, c'était l'esprit de mort. Parce que les parents, pour qu'elle vive, les parents sont allés faire des sacrifices sur la tombe d'un vieillard. Et selon eux, c'est à partir de ces 14 ans, ces sacrifices-là, que l'enfant a survécu. Donc, pendant qu'on priait, frère bien-aimé, notre Dieu est tout-puissant. Elle s'est vue dans la tombe de ce vieillard et au village. Frère, quand nous avons commandé que la tombe soit explosée, effectivement, la tombe s'est explosée. Notre sœur est sortie de la tombe. Elle est revenue à son bon sens au milieu de nous, délivrée authentiquement. Jésus-Christ. Jesus Christ. Un autre frère m'a approché le jour où le pasteur priait pour arracher les diplômes, en tout cas tous les papiers. Un frère s'est approché de moi le lendemain. Il disait, son oncle avait les papiers de son père. Et ça fait des années, je pense que 6 ans ou 7 ans. Je pense qu'il est là, il entend ce témoignage. Et quand il demande les papiers de son propre père, l'oncle lui fait comprendre que les papiers ont disparu. Mais pourtant, les autres retrouvent, c'est l'oncle qui a gardé les papiers après le décès du père. Mais lui, son papa, il n'arrive pas à retrouver les papiers et l'enfant était bloqué. Mais le jour où nous avons prié ensemble, où le pasteur a commandé, nous arrachons tous les papiers. Frère, le lendemain, il appelle son oncle. Et son oncle lui dit, j'ai retrouvé les papiers, tu peux venir les chercher.
Et il est venu avec les papiers que j'ai consacrés même au Seigneur. Il m'a montré les papiers. La pièce d'identité de son père, l'extrait de naissance, tous les papiers qu'il avait besoin pour introduire dans ses documents pour déposer pour le concours. Frère, notre Dieu est puissant. Un autre témoignage. Une sœur qui avait des sérieux problèmes. Elle avait des maux de tête. Elle disait, pour avoir le soulagement, je dis bien le soulagement, ses parents l'ont envoyé chez un féticheur. Et là-bas, ils ont tracé des scarifications sur son front. Elle dit, si on m'érase et que tu vois ma tête, tu ne peux pas imaginer, c'est parce que j'ai les cheveux. Mais rien n'y fit. Je n'ai pas retrouvé la guérison et même le soulagement. Frère, pendant qu'on priait ici, elle dit c'est comme c'est une hache qu'on mettait dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle avait terriblement mal à la tête. Elle s'est retrouvée avec nous. Frère, quand nous avons dit on arrache ta tête, frère, quand elle a regardé elle-même son cerveau, le cerveau était complètement noir. Elle dit elle a vu en vision quelqu'un qui a enlevé le cerveau noir, je dis bien noir, comme le charbon. Et même plus que le charbon. Et le Seigneur Jésus a envoyé un nouveau cerveau. Jésus. Elle voit en vision un nouveau cerveau, une nouvelle tête, un nouveau cerveau. Amené par le Seigneur, ils sont déposés sur ta tête. Et les maux ont disparu instantanément. Un autre témoignage, là ça s'est passé au niveau du brisement des liens malsains des familles et autres liens. Un frère, je pense que c'était dans le monde, il était parti au funérailles et il avait rencontré un vieux qui soignait la maladie qu'on appelle l'ulcère de Burnu. Et le vieux a montré les photos que si quelqu'un dans ta famille a ce mal, moi je peux le soigner. Il a vu les photos, bon, ça ne lui a rien dit. Après les obsèques, il est rentré à Abidjan. Frère bien-aimé, il dit, les jours qui suivaient, il a commencé à avoir les démangeaisons au niveau de la cheville, au niveau de ses pieds. Il constate ça gratte, mais les boutons ne sortent pas. Un mois, deux mois, trois mois après, il explique à quelqu'un et la personne lui dit, non, il y a une forme du sel de Burnu qui se manifeste de cette manière. C'est vrai, les plaies n'apparaissent pas, mais les plaies sont à l'intérieur. Effectivement, quand tu regardes l'endroit de son pied, c'est devenu noir à force de gratter. Et il dit, dans un rêve, il voyait les moucherons. Il était assis, il voyait les moucherons. C'est-à-dire que les moucherons sortent d'un pied, rentrent dans l'autre pied. Après, ils font les va-et-vient de cette manière. Et dans le son, il essayait de tuer les moucherons. Il regarde dans sa main, il a vu beaucoup. Quand il s'est réveillé, en réalité, maintenant, il voyait du sang dans sa main. C'est là qu'il a compris que cette affaire, c'était sérieux. Il s'est donné à Christ. Il a eu la calmie. Ici, quand il m'a partagé, il lui a dit, refais à nouveau ton cahier de brisement des liens. Quand nous avons fini le brisement des liens, les douleurs au niveau de la cheville, au niveau de ses pieds, instantanément les douleurs ont disparu. Un autre frère aussi, qui m'a été recommandé par le pasteur de Gonzague, c'est un des dirigeants de notre œuvre, il avait des douleurs aussi au niveau des os. Pour marcher, il avait des difficultés. Et on nous a approchés, on nous a donné son cahier. Pour plier même le genou, c'était difficile. Quand nous avons fini aussi, lui aussi son brisement des liens malsains des familles et autres liens, parce que nous utilisons les deux armes, et le renversement des principes conduit par le pasteur Meunier, et le brisement des liens que nous appliquons aussi. Frère, quand nous l'avons relevé pour dire « marche au nom de Jésus, plie tes genoux »,
Les gestes que tu ne pouvais pas faire, ces gestes, il a fait tous les gestes qu'il ne pouvait pas faire par le passé, authentiquement guéri. Je pense que je vais m'arrêter là. Oui, tu as fait combien? Sinon, il y en a encore. Bon, regarde, on peut te rappeler, parce que c'est le dernier jour. Go, we can call Merci you beaucoup. It's the last day. Viens avec la petite. Écoutez le témoignage de cette petite. Listen to the testimony of this little girl. Gloire à Dieu. Je m'appelle Kwaku Nira Pusimon. Faisais d'ici, c'est pasteur Gogoa. Je voulais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de mort. Samedi passé, pendant que Pasteur Meunier priait, j'avais mal à la poitrine et quand la prière est finie, je suis allée vers ma maman. Maman dit d'aller à l'équipe de délivrance, ils vont prier pour moi. Je suis partie, ils ont prié, le mal de poitrine est parti. Je suis partie vers la chambre pour me reposer et puis j'ai demandé de l'eau. Ils m'ont donné et le mal de poitrine est revenu. Je suis allée à l'infirmerie et donc mon père est parti appeler Pasteur Meunier. Pasteur Meunier est venu à l'infirmerie, il a prié pour moi et puis il a chassé l'esprit de mort. Et pendant qu'il priait, j'ai eu une vision. Dans la vision, c'est où j'étais couché sur le lit de l'hôpital, mais je voyais d'ailleurs où je voyais deux hommes habillés en tenue blanche. Un devant et un derrière. Et puis, il y avait vu un homme noir, un homme habillé en vêtements rouges. Il était au milieu. L'ange qui était derrière le chuchotait. Et puis, les trois sont rentrés à l'infirmerie. Et puis, quand ils sont rentrés à l'infirmerie, l'ange qui était devant a demandé à celui qui est au milieu de rentrer dans ma poitrine, il va détacher tout ce qu'il avait attaché au milieu de mes cordes. Et il est rentré, il a tout détaché, il l'a mis dans un sac et puis il est sorti. Le sac était vraiment lourd, il n'arrivait pas à soulever. Donc l'ange qui le chuchotait, il l'a chuchoté, puis il l'a pris, et puis les trois ont disparu. Je voulais dire merci au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de mort, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Zombo Maë Brigitte, disciple du pasteur Onda Akunfao. Faut dire que je suis issue d'une famille pauvre et nombreuse. Et avoir deux repas par jour, ce n'était pas évident. Et c'est dans cette atmosphère que j'ai grandi. Non seulement ça, mais les échecs me suivaient. Les gens trouvaient que j'étais intelligente, mais quand j'arrivais dans les classes des amis, c'était les échecs. Et dans toutes les classes des amis, c'était des échecs. Quand je progressais jusqu'au master, j'ai même eu à travailler, à enseigner dans un collège privé. Après 2 ans, sans motif, on m'avait encore laissé. Et c'était un échec. Et c'est dans ces conditions-là, c'était difficile. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un merveilleux pasteur de la CMCI. Et c'est comme ça, quand je suis arrivée au remplacement des presbytères 2019, et on m'a prêché l'évangile, j'ai accepté, j'ai fait la repentance et le baptême. Après ça, les échecs se sont arrêtés. Comment on appelle ça? J'avais passé un test de recrutement d'enseignants contractuels en tant que professeur de lycée. Et par la grâce de Dieu, en 2019, ça a marché. Et la même année, ma fille aussi a eu le BPC. Et cette année, on attendait notre intégration. Et par la grâce de Dieu, l'intégration est arrivée. Non seulement ça, on entend encore que le 6 août, le président a fait des remaniements au niveau des conditions de vie des choses, des enseignants. En plus de ça, les enfants qui avaient passé les examens, ma fille avait passé le bac, mon fils avait passé l'entrée en 6e, ils ont été admis. Donc j'ai compris que la principauté de la pauvreté était vraiment renversée. Que tout l'honneur et la gloire reviennent à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a d'autres que ici que Dieu a délivré. Si c'est toi, bien dit merci. Il y a des drogués ici. Oh.
chômeurs ici qui ont eu le travail. Si c'est toi, si c'est toi, merci. Il y a des familles ici, principautés renversées. Si c'est toi, viens dire merci. Pas ta manière d'acclamer, d'acclamer, d'acclamer. Acclame Jésus-Christ. Pas ta manière d'acclamer. Pas ta manière de sauter. Pas ta manière de sauter. Sauter. Pas ta manière de sauter. De sauter. De sauter. Pas ta manière de sauter. Pas ta manière de crier. Jésus a délivré. Si c'est toi, viens dire merci. Il y a des terres pressées que Jésus a délivré. Si c'est toi, viens dire merci. Il y a des familles ici, hey. Le célibat est tombé, hey. Si c'est vous, viens dire merci. Il y a des familles ici, le célibat est sorti, hey. Si c'est toi, viens dire merci. C'est moi, c'est moi. Viens te demander, c'est moi. De courir, de courir, de courir, à ta manière de courir.
Aïe, aïe, aïe. On avance, on avance, on avance, on avance. Dansez, 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 dansez. On pousse de tous les jours. Bien-aimés, beloved brethren, vous avez le discernement. You have discernment. Sur tous ceux qui sont avec nous dans la nation. Mainly those who are with us in the nation. Quand les anciens, when the elders, ont initié le projet d'aller vers les églises, initiated the project to go to where the church is, pour leur expliquer le projet d'Atiekwa, to explain to them the project of Atiekwa, c'était une œuvre divine. It was a divine work. Vous aurez le, nous aurons le, l'opportunité un jour de vous relater le récit. We will have the opportunity one day to share with you what it is about. Mais du nord au sud, but from the north to the south, de l'est à l'ouest de la nation, from the east to the west of the nation, tous les frères, all the brethren, sans avoir prémédité, tous les frères qui ont posé une action positive, without premeditated on it, but all the brethren who gave a positive action, ont été bénis au-delà de leurs attentes, were blessed beyond their expectations. Partout, wherever, même dans la foule ici, si on demande aux gens de témoigner comment ils ont été bénis après avoir soutenu le projet d'Atiekwa, vous allez voir. Even the crowd here, if you ask people to tell us how they were blessed after supporting the project of Atiekwa. Et nous voyons que la parole qui dit « Je bénirai celui qui te bénira » s'accomplit toujours quand on soutient ce projet. And we see that the word that says, I will bless the one who blesses you, is always accomplished in the life of those who support this project. Ce que nous faisons ici, what we are doing here, est l'accomplissement d'une prophétie du frère Zach. Is the fulfillment of a prophecy by Brother Zach, qui avait annoncé que l'église d'Abidjan, who announced that the church of Abidjan aura une salle de 25 000 places, will have a hall of 25,000 seats. Il avait dit qu'il y aura quatre cultes, 25 000 personnes. He said that there will be four services of 25,000 people each. Qui avait annoncé qu'il y aura une chorale de 5 000 membres, si je rate les He also announced that there will be a choir of 5,000 members. If I fail, you can help me. Que personne ne te séduise. Let no one deceive you. Si tu as l'œil de Dieu, if you have the eyes of God, quand les semeurs se plantent là, tu les vois venir. When the sowers stand here, you see them coming. If tu peux lire 5,000 semeurs, you can read 5,000 sowers. En tant que moi, en tant que missionnaire, me as a missionary, j'ai la responsabilité devant Dieu. I have the responsibility before God de vous rappeler ces choses-là. To recall these things to you. Afin que un menteur ne te trompe et ne te détourne de la bénédiction divine. So that a liar would not deceive you and turn you away from the blessing of God. Je suis de ceux qui croient que ce lieu-ci, I am of those who believe that this place, est un lieu de bénédiction. Is a place of blessing. Où des prières, where the prayers, seront élevées, will be raised, et les malades seront guéris. And the sick will et les démons seront davantage chassés. And demons will be more cast out. Et la malédiction sera brisée. And curse will be broken. Et le péché, and sin, le joug du péché, the yoke of sin, sera brisé. Will be broken.
Il y aura un peuple there will be a people qui aime Jésus de Nazareth. Who love Jesus of Nazareth. Un peuple jaloux de la gloire de Dieu. A people jealous of the glory. Ils viendront of God. They will come et ils se rassembleront ici. And they will gather here. Et la main de Dieu and the hand of God sera sur chacun. Will be upon each one. Et la main de Dieu and the hand of God sera sur chacun. Will be upon et each le regard de Dieu and the eyes of God sera sur chacun. Will be upon each one. Et toute arme forgée and any weapon contre un seul met against only des petits one enfants qui viendront se rassembler ici all the little children who will come together here sera brisé. Will be broken. Je vous invite à croire I told you to believe, au dessein de Dieu. To believe the purposes of God. Vous avez le discernement. You have discernment. Vous pouvez savoir que Dieu soutient cette chose. You can see that, understand that God supports this thing. Bien qu'elle soit encore à son commencement. Je n'appellerai pas faible commencement parce que le commencement n'a pas été faible. Though it is just at the beginning, I will not call it a weak beginning because the beginning was not weak. Quelque chose qui commence avec les signes, les prodiges et les miracles de Dieu ne commence pas faiblement. Ça commence avec la puissance qui vient d'en haut. Something that begins with the signs, the wonders and the miracle of God does not start weakly. It comes with the power, it starts with the power from above. Vous savez, you know, nous avons perdu les frères. We've lost some brethren. Mais ce sont nos frères. They are our brethren. Mais ce sont les enfants de Dieu. They are children of God. Leur père a permis. Their father allowed qu'ils le rejoignent. Them to rejoin him. Les autres sont encore sous les soins. The others are still being treated. Et nous avons prié qu'ils guérissent. Et Dieu est en train de travailler. We prayed for them to be healed and God is at work. Quand une telle chose arrive, when such a thing happens, les sages, the wise, rendent gloire à Dieu. Give glory to God. Les sages, the wise, disent à toi la gloire. Tell God, glory be to you. Sans commentaire. Without any comment. Parce que tu ne connais rien. Because you know nothing. Ton père sait tout. Your father knows all. C'est ce que Jérémie avait fini par comprendre. This is what Jeremiah finally understood. Il se plaignait beaucoup. He complained a lot. Après, il s'est arrêté. And after he stood still. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné? And he said, who will say that something happens without that God ordains it? Quand les sages arrivent à cette interrogation-là, when the wise men come to that question, ils rendent grâce à Dieu. They give thanks to God. Ils entrent dans les desseins de Dieu. And they enter the purposes of God. Que personne ne te trompe que le diable a combattu avec Dieu, il a battu Dieu. Let no one deceive you that the devil fought with God and he overcame him. Ce qui serait un gros blasphème. Which will be a big blasphemy. Que personne ne se réjouisse du malheur. Let no one rejoice of the misery. Qu'il n'y ait pas de faux prophètes qui vont se lever pour essayer de prophétiser et nous expliquer ce qui s'est passé. Let there not be false prophets who will rise up and try to prophesy or explain what happened. Vous savez ce qui m'est arrivé? You know what happened? J'étais là. I was here. Je cherchais les mots. I was looking for words. Pour diriger la rencontre ce jour-là. To lead the meeting that day. Et j'étais assis là. And I was sitting there. J'ai regardé devant. I was looking in the front. Je vois quelqu'un est tombé. I saw somebody who les fell. Les gens sont partis ramasser. And they went to take une autre personne est tombée. And on n'avait même pas encore commencé la réunion. We had not even started the meeting yet. Et les démons se manifestaient. Une autre personne est tombée là-bas. Les frères l'ont porté. The demons were manifesting, and another person fell there. The brethren took him. Le Saint-Esprit a ouvert mon intelligence. The Holy Spirit opened my mind. Que Dieu ne s'est pas arrêté. Lui, il travaille. Pendant que tu cherches les mots là, lui, il a déjà commencé le travail. God has not stopped. While you are looking for the word, God has already started the word. Ce jour-là, that day, je me suis levé. I got up. Je suis entré dans le travail de Dieu. I entered the work of God. Et il y a eu plein de délivrances. And there were a lot of deliverances.
Est-ce que vous voyez comment Dieu soutient une œuvre? Do you see how God supports? Mais si je ne te dis pas, tu ne sauras pas que j'étais embarrassé. But if I do not tell you, you will not realize that I was embarrassed. Dieu a travaillé pour me dire que regarde, si tu veux rester là pleurer, moi je continue avec. Et les gens qui soulevaient les âmes, les personnes possédées, n'étaient même pas le service d'ordre. The Lord told parce que ce jour-là, ils croyaient qu'ils doivent venir, parce qu'ils savent déjà qu'on commence à telle heure, il y a les témoignages, à telle heure on vient. Donc, ils n'étaient même pas là. So those who maintain order were not around, and by the time I was sitting there, the Lord revealed to me that you can be joking sitting there, but the work is already done. Frère, Dieu est avec nous. God is with us, brethren. Que personne ne te trompe au quartier. Dieu est avec nous. Let no one deceive you in the quarter. God is with us. Je dis bien, c'est moi, le frère Boniface. It's me, brother Boniface. Il y a deux couples missionnaires internationaux. There are two missionary couples, international missionary couples. La sœur Colette et moi, nous sommes le premier couple. Sister Colette and I are the first couple. En tant que tel, and as such, j'ai la responsabilité. I have the responsibility de vous dire certaines choses. To tell you some of the things. Très utile. Very useful. À votre épanouissement. For your fulfillment. Moi, je suis un homme de foi. Me, I am a man of faith. La deuxième chose. The second thing. Ce qui se passe ici. What is happening here? C'est l'accomplissement d'une vision que Dieu m'a donnée en 2006. It's the fulfillment, the accomplishment of a vision that God gave to me in 2006. En 2006, in 2006, je dormais. I was sleeping. Et je me suis retrouvé en vision. And I found myself in a vision. Sur un espace. On a space. Et je marchais. And I was walking. J'étais à l'air libre. It was in plain air. La vision était claire. The vision was clear. Dans la vision, in a vision, on m'avait nommé ministre de la santé dans un gouvernement. On n'a pas dit le pays. I was appointed minister of health in a government, but they did not name the country. Et dans la vision, and in a vision, il s'était déjà écoulé 6 ou 7 mois. 6 or 7 months were already passed. Je n'avais pas pris les fonctions. I did not start my working. Donc j'étais affligé. Je regrettais beaucoup. So I was afflicted and I was regretting a lot. Dans la vision, ça dénotait une inconscience. The vision denote an inconscience. Et je me suis posé une question. And I asked one question to myself. Sans parler. Without speaking. Est-ce que le poste est encore vacant? Is the post still in vacancy? Dès que je me suis posé cette question. As soon as I asked that question to myself. J'ai vu deux mains. I saw two hands. Il n'y avait pas de corps. J'ai vu deux mains avec des manches, des tuniques. The body was not there, but I saw two hands with the sleeves of a tunic, et white. La main gauche tenait un document signé. And the left hand held a paper that was signed. Et la main droite a pointé l'index sur la signature. And the right hand, the finger, was pointed on the signature. Et la voix a dit. And a voice said, voici ma signature. Here is my signature. C'est moi qui t'ai nommé. I'm the one who appointed you. Personne ne peut te remplacer. No one can replace you. Et and je me suis tourné. And I turned. J'ai vu un bâtiment. I saw a building. Je suis entré. I entered there. J'ai vu, il y avait des gros fauteuils ministériels. Very big armchairs. Et puis je me suis réveillé étant à l'intérieur. And I woke up being in that room. Le frère Zach était de passage cette année-là. Brother Zach was passing by that year. Lui, il avait fait un jeûne de 52 jours. Nous avons arrêté à 40 jours.
And he carried out a fasting of 52 days, but we stopped at the 40th day. Et nous étions à genoux. And we went au bord du lit. We knelt at the edge of the bed. On priait. We are praying. Je lui racontais la vision. I told him the vision. Il est resté calme. He remained calm. Il a regardé le plafond. And he looked at the ceiling. Il a dit, no, no, nobody, nobody, nobody. He said, person, person, person. Et il a prié pour moi. And he prayed for me. C'est après que le Seigneur m'a dit, il a donné, il me dit, je ne t'ai pas donné le don de guérison, je t'ai donné le ministère de la guérison. It's after that the Lord revealed to me that I did not give you the ministry of the gift of healing, but the ministry of healing. C'est quelque chose qui vient de Dieu et qui a besoin de vos prières et de votre amour. It's something that is from God and which needs your prayer and your love. Tu seras sage. You will be wise. Pour comprendre que si nous sommes fidèles, to understand that if we are faithful, Dieu va accomplir ses desseins. God will accomplish his purposes. C'est pour cette raison que dans toutes nos églises en Côte d'Ivoire, il y a les miracles. That's why in all our ministère de la santé, c'est, même si tu es nouveau, tu appliques ce que nous appliquons. Si tu as la foi, tu vas chasser les démons. Even if you are new and you have faith and apply what you do, you will cast out demons. Tu brises les liens. You break the evil ties. Tu vas délivrer les gens de la sorcellerie et des sectes. You will deliver people from witchcraft and people from sects. Tu renverses les principautés. You overthrow principalities. Tu entres dans une autre dimension de la bénédiction divine. You enter another dimension of divine blessing. Où les gens sont délivrés de la pauvreté. In which people are delivered from poverty. Où les gens récupèrent les bénédictions que les démons ont arrachées. Where people take back the blessing that demons snatched from them. Les visions que vous voyez, que le serpent a les choses dans le ventre, sont vraies. Les génies ont avalé les bénédictions. The visions that you see, that the snakes have vomited the wealth, the belongings, are true. Pratique. Tu verras le résultat. Put it in practice and you will see the result. Quand tu seras béni, tu vas comprendre que cette affaire-ci vient du ciel. When you are blessed, you will understand that this matter is from heaven. Vous voyez comment on prie ici en plein jour. You see how we pray here in daytime. On ne touche même pas les gens. We don't even touch people. Les personnes ne te trompent au quartier. Let no one deceive you in your quarter. C'est le Saint-Esprit qui travaille. It's the Holy Spirit which is at work. Certains démons veulent se cacher. Some demons can hide. L'esprit agit. The spirit works. Et ils sont exposés. And they are exposed. Les petits enfants ramassent, ils s'en vont derrière là. Tu entends, je m'en vais. The little children pick them up, they go in the back there and you hear, I'm going. Quand moi je suis ici devant. When I'm here in the front. Le démon dit là-bas, je m'en vais. And the demon says there, I'm going. Est-ce que c'est moi? Is it me? Est-ce que c'est moi? Is it me? C'est Jésus, mes It's amis. Jesus of Nazareth. C'est Jésus. It's Jesus. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. L'autre jour, the other day, on me dit que les frères étaient là. I was told that the brethren were there. L'esprit de mort s'est manifesté. And the spirit of death manifested itself. Un frère est parti appeler l'équipe de délivrance. A brother went to call the deliverance. Ils ont chassé l'esprit de mort. They cast out the spirit of death. Et le frère qui est parti appeler les gens, lui aussi, il est tombé. L'esprit de mort s'est manifesté. And the brother himself who went to call the brethren fell down. Ils l'ont délivré. Moi, je dormais en bas. The demon manifested. Est-ce que j'étais là? And they delivered him. Est-ce que j'étais là? I was sleeping downstairs there. I was frère, here. Was I here? Personne ne te trompe. Let no one deceive you. Lève-toi. On tend les mains vers Dieu. Stand up. Let us stretch our hand to God. Pour lui dire merci pour ce que nous voyons, parce que ça va grandir. Lift your hand up and say thank to God. Give thanks to God for what we see, because it will grow. Ça te concerne. It concerns you. L'onction est sur toi. The anointing is upon you. Dis
Dis Seigneur Jésus, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Say, Lord Jesus, you are the one, you are the c'est one. Toi, c'est toi, it's you, it's you. It's c'est you. Ton nom. It's your name. C'est ta puissance. It's your power. C'est ta gloire. It's your glory. C'est ton sang. It's your blood. C'est ton sang. It's your blood. C'est ton œuvre. It's your word. C'est ta parole. It's your word. Ce sont tes signes. It's your ce sont tes prodiges. Ce sont tes miracles. It's your signs. À toi l'honneur. They are your signs. À toi la gloire. The miracle. À toi la puissance. Glory to you. À toi la richesse. Honor to you. Power to you. Au siècle des siècles. Forevermore. Continue à prier. Continue to pray. Nous t'adorons Jésus, tu es le roi des rois. Nous t'adorons Jésus, tu es le roi des rois. Nous t'adorons Jésus, tu es le roi des rois. Nous t'adorons Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Nous t'adorons Jésus. Tu as roulé la mort. Tu as roulé la mort. Tout le monde chante, tout le monde, Satan, tout le monde. Tu as vécu Satan. Tu as vécu Satan. Tu as vécu Satan. Tout le monde. Nous t'adorons Jésus. Tout le monde chante jusqu'à ce que ça monte au ciel. Tu as vécu Satan. Nous t'adorons Jésus. Tu as vécu
acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus. Pendant que les semeurs se placent, while the sowers are coming to stand here, vous asseoir. Please be seated. La dernière chose, the last thing, quand nous allons finir aujourd'hui, when we finish today, quand tu vas chez toi, when you go back home, demeure dans la foi. Remain in faith. Vous avez les oreilles. You have ears. Les frères disent, j'ai vu les anges venir faire telle chose, telle chose. The brethren say, I saw the angels coming to do such or such. Ma responsabilité, c'est de nous conduire à la prière. My responsibility is to lead us into prayer. Le genre de prière que Dieu veut. The kind of prayer that God desires. Pour ouvrir certaines portes. To open some doors. Le reste. The rest. Toute l'année là pour accomplir ça dans la vie de chacun. All along the year to accomplish it in the life of each one. Il a une armée puissante. He has a mighty host. Vous écoutez. You listen. Même s'il faut qu'on t'opère, ils peuvent t'opérer. Even if you need to be operated on, he will do it. Dieu laisse pour que tu vois. God leave it for you to see. Et que tu crois. And to believe. Sinon, il peut te guérir sans signe. You can even be healed without any sign. Mais il fait ça pour nous. But he does it for us. Afin que nous croyons. For us to believe. Jésus a dit. Jesus said. Quand il voulait ressusciter Lazare. When he was to raise Lazarus from the il dead. Il dit Père. He said Father. Je sais que tu m'as exaucé. I know you have answered me. C'est comme ça qu'il a commencé. That's how he started. Je sais que tu m'as exaucé. I know you have answered me. Après il dit. And after he je says, sais que tu m'exauces toujours. I know that you always answer me. Mais j'ai parlé. But I spoke. Pour que ceci. So that those here. Sache que c'est toi qui m'as envoyé. Know that you are the one who sent me. Dieu va permettre qu'il y ait des signes. God allows that there should be signs. Pour que tu crois que ta prière est montée vers ton Père. He will allow that you can see signs to know that your prayer went up to your Father. Et ces signes-là, those signs, c'est toi-même qui vas les voir. You are the ones who will see them. Parce que Dieu t'aime. Because God loves you. Il veut que ton cœur soit dans la paix. He wants your heart to be peaceful. Il exauce pour que nous soyons paisibles. He answers for us to become peaceful. Parce que quand nous sommes tiraillés par des problèmes, il est touché. Because when we are pulled by all sides by our problems. Il dit que votre cœur ne se trouble point. He said, let your heart not be troubled. Croyez en Dieu. Believe in God. Et croyez en moi. And believe in me. Il a dit à ses disciples, and he taught his disciples, je me ferai connaître à vous. I will make myself known to il you. Leur a dit, he taught them, vous connaîtrez que je suis en vous. You will know that I am in you. Dieu ne peut pas te laisser dans des incertitudes. God cannot leave you in uncertainties. Dieu te connaît. God knows you. Quand ton cœur tremble, il te voit. When your heart trembles, he sees you. Que ton cœur ne se trouble point. Let your heart not be troubled. Il va produire des signes. He will produce signs. Pour que tu sois calme. For you to remain calm. Et si tu es attentif. And if you are attentive. Tu vas devenir prophète. You will become a prophet. Parce que quand Dieu t'explique ses plans. Because when God explains his plans to you. C'est ça qu'on appelle prophète. That's what we call prophet. Ça va arriver. It will happen. Il y a une armée qui traite nos dossiers. There is a host that treats our files. Que les incrédules ne te détournent pas de cette vision-là. Let not the unbelieving turn you away from that vision. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dieu existe. God exists. Le vrai Dieu existe. The true God exists. Et il parle. And he speaks. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Personne. No one. Si tu as un souci, if you have, mets-toi à genoux. A sorrow, a concern, kneel down.
Mets-toi à genoux. Kneel down. Dieu va descendre. Dieu va descendre. God will come down. Lui qui est grand, élevé là. À cause de toi. Great and lifted up. Il va descendre. Because of you, he will come down. Pour te ranimer. And give you life. L'ange a dit à Daniel, homme bien-aimé, homme bien-aimé. On l'a envoyé servir auprès de Daniel. Il appelle Daniel homme bien-aimé. The angel told Daniel, beloved man. He was sent to serve Daniel and he said, beloved man. Garde tout ce que Dieu t'a donné. Keep all that God gave you. Crois ce que tes frères ont vu en vision. Believe that which your brethren saw in a vision. Crois ce qu'ils ont entendu. Believe that which they heard. Crois les exhortations qui ont précédé le combat. Believe the encouragements that preceded the warfare, the battle. Tu verras. Tu vas rendre témoignage ici. You will testify here. Vous savez, you know, beaucoup devaient mourir. Many would die. La mort suivait. Vous avez vu ici? You saw here. Je dirigeais la prière ici. I was leading the prayer. Jugeons l'esprit de mort. I said, we judge the spirit of death. Judge the spirit of death. Le Saint-Esprit me dit. The Holy Spirit taught me. Attends. Wait. Certains, pour certains, c'est pas l'esprit de mort, c'est la mort elle-même qui est déjà là. For some, it's not the spirit of death, it's the death. Pour la première fois, for the first time, que j'entends une pareille chose, that I hear such a thing. Dès qu'on a jugé la mort, as soon as we judge death, ceux qui sont fidèles peuvent vous rendre témoignage. Those who are faithful can testify. C'était la débandade totale. It was total stampede. Depuis ce jour-là, from that day on, il y a de cela trois jours, on avait déjà chassé 106 esprits de mort, 106. 3 days ago, we cast away 106 spirits of death. Si on ajoute les autres qui sont manifestés, if we add déjà être dans 150. Those which were manifested here, it ça will se be fait sous tes yeux. More than 150 is under dans your la lumière du jour. And in the daylight, pour que tu crois, for you to believe, que tu sois béni. And to be blessed. Certains vont découvrir que le mal était parti. Si tu lui leur demandes, c'est fini quand ils ne savent pas. Some will discover that the pain has disappeared, and if you ask them when did it leave you, they don't even know. Certaines femmes vont aller à l'hôpital pensant qu'elles ont le palu. Some women will go to the hospital thinking that they have malaria. C'est le médecin qui va leur dire pardon, ne garde pas ta grossesse là. It's the medical doctor who will tell them, please, do not spoil your pregnancy. Que tu n'as pas le palu, tu es enceinte. That you don't have malaria, you are pregnant. It will be accomplished. Les enfants qu'on présente là, c'est comme ça qu'on les a reçus ici. The children that we present here, that's the way we receive them here. Oh, ma sœur, va, tu n'as pas le palu. Please go. You don't have malaria. Ne bois pas tel médicament. Do not drink such a medicine. Pourquoi, docteur? Why, doctor? Mais tu es enceinte. But you are pregnant. C'est fini. Finished. Ça s'accomplira ici. It will be accomplished. Certains seront embarrassés. On dit, il y a un travail ici, il y a un autre travail là, il y a un autre là-bas. Some will be embarrassed because they will be told that there is a job here, there is a job there, there is another job there. Après le combat, c'est la récolte, c'est le. On prend le butin. Le butin. After the battle, it's the harvest. We take the spoil. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, c'est dans les combats que les rois devenaient riches, les David là. C'est dans les combats. When you read the Old Covenant, in the Old Covenant, you realize that it is during the battles that the kings became rich. Those like David. Il y a le butin. There is the spoil. C'est là. It's there. Vous allez voir. You will see. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je n'ai pas dit que vous me chercherez en vain. God told the children of Israel, I did not say that you will seek me in vain. Dieu aime les gens qui croient. God loves, qui paye. God loves people who believe and he pays them. Et Dieu veut que tu saches que même si tu travailles un peu, il va payer. God wants you to know that even if you work just a little, he will pay.
Il ne va même pas te payer proportionnellement à ton travail. He will not even pay you proportionally to your work. He will double. Il y a une parabole dans la Bible. There is a parable in the Bible. Les ouvriers qui ont travaillé toute la journée ont eu le même salaire que les derniers qui étaient arrivés. Les autres étaient fâchés. The workers who worked all day long got the same wage as those who came at the last hour. Certains ont fait un jour de jeûne, mon ami, ne pleure pas. Some carried out only one. Quand Dieu bénit là, il mélange tout. When God blesses, he gathers all. Gathers all. Ceux qui n'aiment pas les frères vont se plaindre. Pourquoi moi je suis allé tous les jours? Toi tu es venu une seule fois. Those who don't love the brethren will complain. They will say, why did I go every day and you came only once? Si nous proclamons, say we proclaim que notre Père est bon. That our Father is good. Il paye. He pays. Tu travailles, il paye. You work, he pays. Ah, il est miséricordieux. He is merciful. Même les derniers, even the last seront bien payés. Will be well. The late comers, crois ça, will be well paid. Believe this. Crois. Believe this. Dieu va te surprendre. God will surprise you. Même si tu as commencé le jeûne le matin et tu as rompu à midi, even if you started the fasting, Jésus. Even if you started the fasting in the morning, oh, Père, say, oh Father, je sais que tu es bon, tu es bon. I know that you are good, you are good. Tu es bon, tu es bon. You are good, you are good. Tu es bon. You are good. Tu nous traites avec compassion, avec miséricorde. You treat us with compassion and mercy. Tu es généreux. You are generous. Acclamons pour lui. Let us clap for him. Jesus. Je veux particulièrement m'agenouiller. Seigneur Jésus, tu as été présent. Tu nous as guéris. Tu nous as bénis. Tu nous as libérés. Délivrés des chaînes pour pouvoir nous défaire. Oh, Amen. Tu es digne d'être élevé ce soir. Tu es digne d'être élevé du nord au sud. Thank you.
assure la sécurité, lève ta main.